Nos armes citoyens, charrez vos bataillons, marchons, marchons, que s'en fait plus. Général Amo. Ce jugement constitue, à mon avis, la première censure dans l'histoire du droit de l'expression de la conception de l'histoire de France. C'est une décision qui censure la manière dont un homme raconte l'histoire de France qu'il a vécue. C'est donc un jugement qui doit être soumis à la Cour d'appel. Mais sa conception de l'histoire, sans être soumise... C'est une manière qu'a la justice de dire maintenant qu'elle est maîtresse de la conception de l'histoire. Et je crois qu'il y a des combats qu'il faut mener pour que, quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir sur les êtres, hein, je ne dis pas que tout est bien, que tout est irréprochable de notre côté, mais je dis qu'on l'a fait dans l'honneur. J'exprime des regrets, mais je ne veux pas exprimer. Non, je ne peux pas exprimer de remords. J'exprime des regrets. Mais le remords implique une notion de culpabilité. Et ma foi, je considère, mais sans forfanterie, hein, que j'ai fait mon devoir difficile de militaires impliqués dans des missions, comment dirais-je, difficiles. J'ai été affecté